Lightis, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers. Robe rouge pour vous servir. Ultra Rumble, il y a énormément de monde autour de nous. Le colis est joué directement. Bon, on est trois autour de colis, mais il y en a deux autres juste à côté et environ 1 million dans les alentours, donc ça risque d'être compliqué. Mais bon. Oh, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Le Temurop qui a déjà pris pas mal cher. Temurop plutôt. Là, mon pote. Il est où? Chope-le! Arrête de courir! Alors, on va tenter le colis. Pas essayer de me geler, on est dans la même équipe, je ne comprends pas ce que fait Shoto. Mais peu importe, le colis est à nous. Il s'attaque quand même. Je vais prendre ma petite pote tranquille, faut que je récupère le sac à terre, j'en ai pas encore pris. Allez! Et toujours pas KO? Merci. Va. Et quitter la game? Ouais, j'ai un KO, il a quitté la game, bien joué à lui. Rage quit! En tout cas, on a pris l'ascendant psychologique immédiatement sur cette game en vrai. Réussir à choper le gros colis en plein milieu de la map. Respect à moi. Et un petit peu à mes partenaires, mais uniquement parce qu'ils ont eu de la chance de venir avec moi. Il n'y en a aucun qui a du shield, ça va aller vite. Il se barre, chope-le, Shoto. Allez! Qui ose m'affronter, quoi? Ils finissent quelques personnes de leur côté. En vrai, bonne équipe, je sens le top 1. Je le sens, j'ai le nez, on voit comme ça. J'ai mon nez qui frétille un petit peu, mes narines qui gonflent, qui dégonflent, qui font bonjour. On est bien parti. Attends, ils étaient deux en 800 là. Les gars, besoin de vous. Ok. All Might a plus de shield. Plus de shield non plus. Ah non, je l'ai pas vu. Allez, occupe-toi d'elle, Shoto. Faut que je me re-shield un petit peu tranquillement. Et après j'arrive à vous aider, évidemment. On prend une petite potion de vie quand même. De toute façon là ils ont pas vraiment besoin de moi, ils sont bien dans leur fight hein, je pense. Bon attends je suis là. Il y a le compressman qui me fait chier. J'en profite pour voir une petite pote, il doit pas être très éloigné, son partenaire est encore là-bas. Et puis de shield. Il devait être planqué dans un buisson quelque part, mais j'ai pas assez de vie. Je vais retourner avec mon équipe tranquillou. Oh, mais ça, j'en ai pas besoin. Non, j'ai pris une potion.
Ok, j'ai réussi à cancel. Ah bah il se voit le shoot, non? Ah direct. Ah mais c'est compress man en plus. Oh petit 93 avance à TP. Il a réussi à faire sa TP sans foirer. Il t'arrive de me brûler, on est dans la même équipe, il a toujours pas compris ce con. Où sont-ils passés? En tout cas, on a l'ascendant sur eux largement, ils n'arrêtent pas de fuir. Le problème, c'est que Compressman, il fait très très mal. J'espère qu'ils visent pas cette petite caisse en espérant qu'on vienne dessus. Ça a l'air d'aller. Ils sont encore téléportés hein. Je sais pas comment ils se téléportent, je sais pas à quel endroit il peut être. Mais bon, ça fait deux fois qu'il fuit en vrai. Est-ce que c'est vraiment un danger? C'est lui là non? Alors il y en a plusieurs. Voilà. La team, vous m'avez oublié. On est censé être une équipe. Je reprends une potion, je n'ai pas le choix. Il y a trop gros fight là. Hein. Ok, Compassman est bientôt mort. Ils sont beaucoup sans shield hein. On a réussi à tuer pour qu'on presse. Ok. On va faire un peu de tout ça, tac 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 tac. J'ai quand même pris une voiture de Compressman. Ah mais encore en bas. What? Oh putain, yo, le salaud. Est-ce qu'il se téléporte par ici, du coup? Ou est-ce qu'il doit placer quelque chose pour se téléporter? Faudrait que je joue le personnage au moins une fois pour comprendre. Parce qu'il me cause pas mal de soucis. Alors, puis ultra la flotte là. Elle le fait pour fuir. Oh, Denki. Ok, il y a toute une équipe ici. Ils ont l'air de pas mal se démerder. Aïe 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 aïe. Je me suis fait laver le cul. C'est mérité. On a enchaîné les fights, c'est chiant. Est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose? C'est déjà mort. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça risque d'être très compliqué. Elle arrive quand même à revive, c'est bien. Attends, mais Shoto, il s'est revive comment? Personne n'a fini, genre.
Allez les gars. Et elle est 2 contre 1, elle. Il se cache, t'enfoiré, bouge! Bon, les deux se cachent. Ils sont au moins d'accord là-dessus. Meuf, ramasse ma carte. Vas-y, va me revive, tranquille. Tu peux me revive? Oui! Oh non, elle se fait attaquer! En plus par Compressman. Il se planque dans un buisson depuis le début, le salaud. Voilà, bonne réaction, ne pas fuir, attaquer. Elle a raison. Ouais. Oh, chaud. Faut qu'elle trouve un petit coin tranquille, un petit coin. Oh, 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 oh. Je pense que Compressman est tout seul en vrai. Depuis le début, je vois. Aïe aïe aïe. Oh oui. Éloigne-toi en attaquant, éloigne-toi en attaquant, va me revive. Je vais avoir zéro pouvoir, zéro vie, mais je serai là pour t'aider. Oh elle tente ici, mais elle est cramée de fou par contre. Enfin, il reste 4 équipes, j'ai l'impression qu'elle est vachement focus. Il a l'air tout seul aussi, le crématorium. Oh là là. Il y a Compresse derrière. Et la petite Froki. Attends, mais c'est pas du 1 contre 1 contre 1 contre 1, on est d'accord, il y a trop de monde qui l'attaque là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non, ils tiennent ensemble. Impossible qu'ils tiennent pas ensemble. Ah, quoique. Dommage. Dommage. Il reste que 3 équipes. Moi, je veux voir qui tient avec qui. Mais non, je veux pas du tout. Félicitations. Tu as bien combattu. Je te mets des pouces. Du coup, Compressman est seul, ça c'était sûr. Et vu qu'il reste que 2 équipes, les deux sont ensemble. Ok. Bon, c'est pas ma meilleure game. Les partenaires étaient cool, malheureusement, elle a pas su faire le clutch à la fin. On arrive quand même en plus avec 4000 quasiment de dégâts. Ouais, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse comme partie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et bisous. Waouh! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.